Cher étudiant, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deuxième exercice de la série du prisme. L'énoncé de l'exercice, un rayon lumineux monochromatique aborde un prisme d'indice n égale 1,25 et d'angle au sommet A égale 30 degrés. Placez dans l'air un prime égal à 1. Premièrement, déterminez les angles d'incidence I et d'émergence I' du rayon lumineux dans les cas suivants. A, à l'incidence normale. B, au minimum de déviation. C, à l'émergence rasante. D, à l'incidence rasante. E, à l'émergence normale. Alors, le but de cet exercice, il faut que l'étudiant se familiarise avec la terminologie du prisme. Donc, il faut savoir c'est quoi l'incidence normale, c'est quoi au minimum de déviation, émergence rasante, à l'incidence rasante et à l'émergence normale. Je vous informe que, alors, dans les questions A, B et C et D et E, alors, une fois on a pris A égale à 30 degrés, une fois on a pris A égale à 60 degrés. Tout simplement, en traitant l'exercice, on a trouvé que des cas pour A égale à 30 ou pour A égale à 60, on ne pourra pas avoir soit une incidence, soit une émergence. Le plus important dans cet exercice, c'est de savoir la signification de l'incidence normale au minimum de déviation, émergence rasante, incidence rasante, émergence normale, et il faut savoir quelles sont les relations qui gèrent ces phénomènes physiques. Un rayon lumineux, monochromatique au hadi al-loun, monochromatique au hadi al-loun, aborde un prisme, ça veut dire itijah mawshour d'indice n égale 1,25. D'indice, c'est l'indice de réfraction wahiya qarinat l'inkisar, et angle au sommet a égale à 30 degrés. زاوية الموشور A يساوي 30 درجة. Placé dans l'air. هذا الموشور متواجد في الهواء حيث قرينة انكسار الهواء تساوي 1. السؤال الأول. Déterminer les angles d'incidence I. ما هي زاوية الورود I et d'émergence I'. زاوية الخروج من الموشور I' du rayon lumineux dans les cas suivants في الحالات الآتية. À l'incidence normale, ورود نادمي. معناه الشعاع الوارد فهو يوازي النادم. Au minimum de déviation, انحراف أقصى انحراف ممكن. معناه يكون الانحراف له قيمة دنيا أو أصغر قيمة للانحراف. فهي قيمة عظمى ليست قيمة عظمى ولكنها قيمة دنيا للانحراف معناه أصغر قيمة التي يمكن للانحراف أن يأخذها à l'émergence rasante عندما يخرج الشعاع من الموشور ويكون منحاه له درجة 90 درجة معناه المنحة شعاع الخارج من الموشور والناظم زاوية الخروج من الموشور تساوي 90 درجة à l'incidence rasante عندما يكون الشعاع الوارد أو زاوية الورود تساوي 90 درجة à l'émergence normale عندما يخرج الشعاع من الموشور موازيا للناظم. Incidence normale.
incidence normale, ça veut dire l'angle d'incidence égal à 0. Alors, si on a un angle d'incidence égal à 0, donc, par conséquent, le R égale à 0. Alors, si R égale à 0, et on a déjà traité ça, pourquoi? Parce que N prime sinus 0 égale N sinus R, et par conséquent, le R égale à 0. Maintenant, il faut chercher le R prime. D'où vient le R prime? On revient sur la relation de R plus R prime égale à 30 degrés. Et par conséquent, le R prime égale 30 degrés parce que le R égale à 0. Après trouver le R prime, nous allons vers le I prime. Et donc, il faut appliquer la loi de Snell-Descartes dans ce côté du prisme. Donc, 1 sinus R prime égale 1 prime sinus I prime. Donc, I prime, c'est arc sinus N sinus R prime sur le N prime. Voilà. 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 Et donc, on a la totalité de l'exercice. Et donc, après appliquer la loi de Snell-Descartes pour la deuxième arête de du prisme, donc, on a I', arc sinus, c'est le sinus moins 1. Donc, le 1, c'est 1,25, sinus 30 sur 1. Donc, c'est 38,68 degrés. Voilà. Donc, ici, on a le M', le I', c'est 38,68 degrés. Après, trouver le I'. Donc, ici, on a N' sinus 0 égale N sinus R. Donc, R. Alors, ici, donc, R, c'est arc sinus N prime sinus 30. Alors ici, je pense qu'il y a une bêtise. Un show. Voilà. Donc celui-là, il vient en premier. Voilà. Alors, si on applique cet exercice pour 60 degrés. Alors si ici, on a 60 degrés. Alors si ici, on a 60 degrés. Si le A égale à 60 degrés et le N égale à 1,5, donc il faut juste remplacer par 60 degrés et 1,5. Voilà. Donc je pense qu'il y a une confusion entre les séries. Il y a des séries là où il y a 30 degrés et 1,25. Il y a des séries là où il y a 60 degrés et 1,5. Voilà. Donc le plus important, c'est de savoir comment appliquer les règles qui concernent le cas d'un prisme. Et donc, par conséquent, le I', c'est arc sinus 1,25, sinus 30, et donc c'est 38,68. Voilà. أشعاع الوارد زاوية الورود تساوي الصفر وبالتالي فإن زاوية الانكسار داخل الموشور تساوي الصفر وهذا راجع للعلاقة سنيل ديكارت التي تربط بين الهواء والوسط الداخلي للموشور. لدينا زاوية الانكسار R وزاوية الورود على الوجه الثاني للموشور R' تساوي 30 درجة حيث 30 درجة هي زاوية الموشور وبالتالي يمكننا إيجاد R' التي تعتبر كزاوية جديدة للورود على الوجه الثاني للموشور بإيجاد R' يمكن تعويضها في العلاقة الخاصة بسنيل ديكارت على الوجه الثاني للموشور وبالتالي يمكننا إيجاد الزاوية I' التي هي تعتبر آخر زاوية انكسار للموشور I' arc sinus N sinus R' sur N' حيث N' يساوي 1 و N 1.25 arc sinus هي الدالة العكسية لسينوس معناه سينوس موانزان معناه عند حساب هذه القيمة
نذهب إلى الآلة الحاسبة ونذهب إلى la deuxième fonction ثم نضغط على sinus moins 1 وبالتالي لدينا الزاوية 38.68 درجة. Donc ça c'était pour l'incidence normale. Maintenant au minimum de déviation. أقل انحراف ممكن. Minimum de déviation. Alors ça c'est un cas spécial. Ce cas, on a déjà discuté dans le résumé de cours, ce cas de minimum de déviation. La définition générale de l'angle de déviation est donnée par D égale à I plus I' moins A. Dans le cas d'un minimum de déviation, le D devient DM et le I devient IM. Et ce cas-là est défini par le I égale à I' égale à IM. Et par conséquent, le DM, l'angle de déviation minimale, égale à 2IM moins A. Voilà. Et aussi, alors, si on a I égale à I', par conséquent, le R et le R' sont égaux. Donc, ça, c'est logique. Et on peut le prouver par les relations de Snell-Descartes. Alors, regardez ici. Donc, si I et I' sont égaux, donc, on a N sinus R égale N' sinus IM. Donc, IM, c'est arc sinus N sinus R sur N'. Voilà. Et par conséquent, le IM, c'est 18.9. Adna inhiraf mumkin. العلاقة التي تعرف زاوية الانحراف D هي زاوية الورود I زائد زاوية الانكسار I' ناقص زاوية المنشور A. وعندما نعرف أدنى انحراف ممكن فإن زاوية الورود I وزاوية الانكسار I' من المنشور فهما متساويتان. وبالتالي يمكن تعريف الانحراف الأعظمي كالتالي: DM يساوي 2 مضروب في EM ناقص A. ومن جهة أخرى لدينا زاوية الانحراف المنشور A يساوي 2R. لماذا 2R؟ لأن حسب تعريف المنشور فإن A زاوية المنشور هي R زائد R'. وبما أن I و I' متساويتان وبالتالي فإن R و R' متساويتان وبالتالي تصبح العلاقة A التي هي R زائد R' تساوي 2R. وبالتالي R هي أعلى 2 ويساوي 15 درجة في حالة A يساوي 30 وفي حالة A يساوي 60 درجة فهي تساوي 30 درجة. الآن الهدف هو إيجاد IM. وبالتالي في هذه الحالة يمكن تطبيق علاقة سنيل ديكارت على أحد وجهي المنشور. N سينوس R تساوي N' سينوس IM. وبالتالي IM هي arc sinus N sinus R على N'. Voilà. Donc IM بالتعويض نجد أن IM هي 18.9 درجة. Émergence rasante. Émergence rasante. Alors dans ce cas, on a le rayon réfracté du prisme vers l'air et forme un angle droit avec la normale. Dans ce cas-là, I' égale à 90. Pour avoir le I, donc on fait marche arrière. À partir de I', nous allons avoir le R'. À partir de R plus R' égale à A, nous allons avoir le R. Et par conséquent, à partir du R, nous allons avoir le I. Dans ce cas, on a pris le A égale à 60 degrés parce qu'on ne peut pas effectuer les calculs avec 30 degrés. Avec 30 degrés, on aura des sinus qui sont supérieurs à 1 et par conséquent, on n'aura pas d'incidence. Dans ce cas-là, donc on fait marche arrière. On commence par I' égale à 90. Après, en appliquant la loi de Snell-Descartes sur la deuxième face du prisme,
on aura le n sinus r prime égale 1 prime sinus i prime. Et par conséquent, r prime, c'est arc sinus n prime sinus i prime sur n. Et donc, application numérique, donc arc sinus 1 fois sinus 90 divisé par 1,25. Le sinus de 90 égale à 1. Et si je le divise par 1,25, donc je trouve bien sûr un nombre décimal. Et si je lui fais le sinus moins 1 ou l'arc sinus, donc je trouve un angle de 53,1. Donc ici, le R prime, cet angle égale à 53,1 degrés. Pour trouver le R, donc il faut aller vers la relation R sur R plus R prime égale à 60 degrés. Et par conséquent, le R, c'est 60 moins 53, qui est 8 degrés. En trouvant le R égale à 8 degrés, et en utilisant la loi de Snell-Descartes, et on revient sur la loi de Snell-Descartes, on trouve le I. Voilà. Et donc, la loi de Snell-Descartes sur la première face ou la face d'incidence du prisme, donc on aura le N sinus R, c'est N prime sinus I. Et par conséquent, le I, c'est arc sinus N sinus R sur le N prime. Application numérique, on remplace le R par 8 degrés et le N par 1,25. Et par conséquent, en appliquant ce calcul sur une calculatrice, à la fin du calcul, une appui sur la deuxième fonction, pi sinus moins 1, on aura un angle qui est égal à 10 degrés. Inkisar. Non, inkisar rasante, معناها inkisar الشعاع الخارج من المنشور يكون يصنع زاوية 90 درجة مع الناظم. معناه اي بريم تساوي 90 درجة. بتطبيق قانون سنيل ديكارت على الوجه الثاني للمنشور فإنه يتواجد ان سينوس ار بريم سي ان بريم سينوس اي بريم. وبالتالي R' في هذه الحالة هي الزاوية جيب arc sinus هي الزاوية جيب أس ناقص واحد معناها الدالة العكسية للزاوية جيب N' sinus I' sur N. donc بتطبيق عددي وبتعويض I' 90 درجة فإنه نحصل على R' تساوي 53.1 درجة. الآن R' 53.1 لكي نحصل على R يجب الأخذ بعين الاعتبار العلاقة التي تربط ما بين R و R' والتي هي R زائد R' يساوي 60 درجة وبالتالي في هذه الحالة R يساوي 8 درجات. بإيجادنا إلى R يساوي 8 درجات نلجأ كذلك إلى العلاقة سنيل ديكارت على الوجه الأول للمنشور وبالتالي فإنه إي هي سينوس موانزا أن سينوس آر على أن بريم وبالتالي إي بتعويض أو بتطبيق عددي فإنه إي يساوي 10 درجات. إنسيدانس رازانت. Incidence rasante, dans ce cas-là, j'ai pas corrigé. Alors, une incidence rasante. Une incidence rasante, j'ai pas corrigé, sincèrement. Donc, ça convient pas ou ça colle pas. Alors, très bien, donc je peux modifier. Alors dans ce cas, alors celui-là n'est pas comme ça et celui-là n'est pas comme ça. Voilà, et donc incidence rasante, c'est que le I égale à 90 degrés. Ça veut dire qu'on a quelque chose comme ça.
Voilà. Et voilà. Alors, une incidence rasante, c'est le I qui est 90. En appliquant la loi de Snell-Descartes sur la première phase d'incidence, donc on trouve, on tire le R qui est arcsinus et donc égal à 53,1. Le R, c'est 53,1. Voilà. Et donc, on essaye de représenter ce vecteur, 53,1. C'est dans ce sens-là. C'est très important. Le sens, il est très important. Voilà. Et donc, c'est ça. Très bien. Voilà. Et donc, le 53,1, donc il va s'éloigner, bien sûr, de la normale. Et donc, dans ce cas-là, à peu près, c'est ça. Voilà. Et donc, je vais le faire avec celui-là. Comme ça, il apparaît bien. Après, je ramène la normale. Voilà. Et donc, ici, c'est le R. Et par conséquent, celui-là, c'est le R' qu'on doit chercher. Le R' dans ce cas. Il fait 8 degrés. Donc, on n'aura pas besoin de ça. Alors, si le R, il fait 8 degrés, à la fin, le I', c'est 10. Donc, celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'éloigner légèrement de la normale. Voilà. Comme ça, c'est 10 degrés. Ben, dans votre cas, essayez de faire bien les choses parce que, voilà, à peu près, c'est comme ça. Voilà, à peu près. Bon, ils s'éloignent, donc ils n'ont pas le même, la même direction et la même droite sur laquelle ils sont les deux. Voilà, et donc, voilà. Et voilà, le dernier, il est là. Voilà. Et dans ce cas-là, le I' égale à 10 degrés. Voilà. C'est bon, c'est fait. Très bien. Voilà. Voilà. Alors, regardez ici. Incidence rasante, c'est le I qui est 90 degrés. Et par conséquent, le N sinus R, c'est N' sinus I'. Et donc, R égale arc sinus 1' sinus I sur N. Et on va trouver le 53,1 degrés. À partir de R plus R' égale à 60, donc R' c'est 8 degrés. Et donc, en cherchant le I' à partir de la loi de Snell-Descartes, donc on trouve le I' égal à 10 degrés. Alors, si vous prenez dans ce cas le A égale à 30, vous allez trouver un sinus qui est supérieur à 1. Et donc, ça ne marche pas. Voilà, c'est pour ça que j'ai changer le A. Voilà. Émergence normale. Émergence normale, ça veut dire que le rayon qui sort du prisme, il fait 0 degré. Ça veut dire qu'il est parallèle à la normale. Et donc, c'est le cas contraire de tout à l'heure. Donc, ici, on a I' égal à 0.
si I' égale à 0, par conséquent, le R' égale à 0. Et si le R' égale à 0 à partir de la loi R plus R' égale à 1, donc on peut tirer le R qui est 30 degrés. Et si on a le R égale à 30 degrés, ah, ici, il y a une bêtise. Ici, c'est 30 degrés. Voilà. Et si on a le R qui est de 30 degrés, donc en appliquant la loi de Snell-Descartes sur la surface d'incidence, voilà, donc on aura le I qui est 38 degrés. معناه que العلاقات فهي تنعكس. العلاقات معكوسة. في أول التمرين on a traité incidence normale et incidence rasante. Et en dernier, on a traité émergence normale et émergence rasante. Et donc, on peut dire que c'est l'inverse. Voilà. Donc, il me reste la dernière question à traiter. Celle-là, représenter le graphe de la variation de la déviation totale D. Alors, dans cette question, je vais prendre le A égale à 60 et le N égale 1,5. Et on se trouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis au revoir.